Et ça y est, c'est parti! Et coucou YouTube! J'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette rediffusion du Notre Sauberry. Oh, l'été s'est installé sur Notre Sauberry. Alors, je préfère vous le dire direct, je suis fatiguée, j'ai dormi 4 heures. Voilà, donc je vais être fatiguée, ça va être compliqué pour moi de tenir aujourd'hui et de pas dire des grosses conneries aussi grosses que moi. Donc, l'été s'est installé, vous le voyez bien, avec ses jolis pétales d'arbres printaniers. Je dis vraiment que de la merde, j'en peux plus de moi. Et notre petite nuage a été relooked. Oui, ça y est, elle a été relooked. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi tu... Mais dors, espèce d'idiote. Et Nathalie va bientôt claquer, il me semble. Oui, Nathalie va claquer aujourd'hui. C'est une très très bonne nouvelle. Et nous allons commencer à enclencher les babies. Ah, et Monsieur Adonis... No horror. Qui s'est laissé pousser la beubare et a été petite aussi un petit peu relooké. Oh. Et ben il mange du gâtal à 5h du matin. D'ailleurs, lui, il est tout fraîchement devenu... Ah oh, bah, on va pas le laisser maître nageur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je vais peut-être le laisser aller aujourd'hui, voir s'il gagne beaucoup d'argent. S'il gagne... Non mais mec, on a une femme de ménage. Eh oui! Mais non, mais je suis bête! J'ai refait la maison aussi! J'ai oublié! j'ai refait. Bah, pas tout, hein. Mais j'ai refait des petites choses dans la maison. Alors, bah, du coup, je vais vous faire visiter. Je suis sûre, vous avez vu. Et vous avez pas. Et vous avez pas tilté. Bah, si, j'ai relooké rapidement la zombie. Bon, alors ici, il n'y a rien. Mais j'ai relooké un peu le salon, le salle à manger, les chambres, je crois. Hello, la redite Twitch. Une de séance pour Nathalie. Ouais, elle est pas encore crevée, mais ça va pas tarder. Alors, c'est en voyant la couleur du tapis que j'ai tilté. Le salon. Bon, le salon, en soi, il n'y a pas grand-chose. J'ai rajouté un tapis, hein, celui qui avait cramé. Bon, bah celui-là, il risque de cramer, mais c'est pas très grave. Le canapé a changé de couleur. Il est plus dans les tons foncés. La bibliothèque est aussi ton foncé. Voilà, voilà. J'ai rajouté des petites photos ici. Bon, c'est tout des vieux, hein, et c'est tout des groupes de vieux. Nous avons Pepper et Seth, qui étaient donc la génération Mante. La génération rouge avec Bordeaux et Macy qui sont là. Pulcott, il est là. Ah, Pulcott avec sa femme, et Pulcott jeune homme université, et Pulcott quarantenaire. Salut, beau mec. La salle à manger a été revue. Je n'ai pas changé les papiers peints, j'ai toujours laissé les papiers peints, tout ça. J'ai rajouté un petit peu de choses, voilà, je suis passée un peu de vert pour changer, voilà, j'ai pas été très très loin dans la décoration, je préfère vous le dire. Et c'est tout surtout parce qu'il fallait que je change la cuisine. C'est noir, oui c'est noir, mais il n'y avait pas en gris, donc j'ai fait ce que je pouvais. L'écran vient de me faire un écran bizarre, je fais bien son, mais je crois que l'écran... Oups, Marie. Et la cuisine, c'est moi et Schmitt. La cuisine, bon, elle est pas hyper sexy, hein, mais elle a été revisitée. Voilà, donc j'ai mis les petits coins, machin, ici, tout ça. Et j'ai mis une petite table de 4 pour manger dans la cuisine. Donc on pourra manger dans la cuisine. Et les fois où on invitera des gens, eh bien ce sera dans la salle à manger, hein, qui a été revue. Hein, voilà, je vous ai montré. La cuisine, bon, elle est pas sexe. Je vous dis, j'ai pas changé les carrelages ni rien. Mais ça a quand même été un petit peu amélioré. On est content ou pas? J'ai refait du relooking, hein, parce qu'il y a... Comment ça s'appelle? Nuage aussi a été relooké, donc ça, je vais vous le montrer. Et aussi, ses cheveux ont poussé. Elle a eu des nouvelles tenues. Oh là là. Oh là là. Oh, je déteste quand ça fait ça. Nous allons voir dans la chambre de Miss Nuage et Adonis. Donc là, Nuage, elle est en train de dormir. J'ai rajouté une armoire ici, j'ai bougé la bibliothèque là, j'ai mis un fauteuil, j'ai mis... voilà. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais voilà. Disons que ça, c'est un peu moins foutoir. Dans la chambre en face, c'est déjà violet partout, c'est déjà prune. Bon, que ce soit fille ou garçon, bah de toute façon, ce sera cette couleur-là. Donc j'ai déjà préparé pour la venue d'un petit bébé et d'un bambin. Voilà, donc en plus là c'est une photo que Pulcott avait fait dans la caverne. Comme c'est dans les tons violets, ben j'ai laissé quoi. Je me suis dit voilà, ça fera un souvenir de Pulcott. Avec le tapis gris, je trouvais que ça assainissait un petit peu visuellement les couleurs. Donc voilà. Et il me semble que
Oui, j'ai revu un petit peu ici aussi pour un enfant. Toujours dans le violet, donc que ce soit fille ou garçon, de toute façon, ce sera les couleurs là. Et j'ai mis un bural dans la chambre. Et puis je pense que c'est tout. Je crois que j'ai pas retouché. Ça m'énerve quand ça fait ça, ce truc. Dans la chambre des parents, je n'ai rien touché. Voilà. Enfin, si vite fait, j'ai remis un luminaire parce que je les aime trop, ces luminaires-là. Voilà pour la maison! Ah, parce que j'ai oublié, c'est en ayant fait un gros plan sur la. Je fais merde, c'est vrai, le tapis c'était pas celui-là parce que j'ai refait la maison rapidement. C'est pas. Voilà, on la reconnaît quand même, mais. Alors, toi, tu vas te lever? Regardez, il est tout beau. Tu vas rien faire, vous allez niquer là, vous allez me faire un gosse. Allez, hop. Ouais, non, mais comme ça, moi direct, hein. Ah, regardez-moi ça. Sexy lady, elle a un chéri maintenant, hein, et puis donc il faut qu'elle soit sexy hein, quand même pour qu'il ait envie d'aller. Alors comme elle est très 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 musclée déjà, genre abdos et muscles de ouf, j'ai essayé de relooker pour qu'elle soit quand même féminine, mais qu'on ne voit pas les muscles parce que c'est pas joli, je trouve, sur une Sims. Bah fille, alors que sur un mec c'est pas dérangeant, mais sur une fille je trouve que c'est pas non plus très sexe. Vous voyez, on voit déjà super fort les muscles des bras, donc heureusement que c'est l'hiver parce que je peux la couvrir, je lui ai mis des pulls et tout ça, vous verrez bien. Mais voilà, relooking fait. Maison plus, il a un nouveau pyjama aussi. J'aime bien les pyjamas. Oh mais le kit mini maison, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Du coup, plus de table de massage dans la chaise. Alors, la table de massage, je l'ai mise dans la salle de sport. Je ne l'ai pas enlevée. J'ai mis un carreau de plus dans la salle de sport. Et la table de massage est dedans. Sur la table de massage, je reconnais pas la cuisine. J'avoue. Mais elle est encore là, la table de massage. Ouh. Pardon. C'est qui kiffe, hein, les enfoirés, là? Sexy lady, une vraie chaudière. Tu le rends aussi musclé qu'elle. Oh, mais il y a des chances. Hein. Il y a des chances qu'il fasse. Réveille-toi! Allez, petit bébé, encore. Oh, ça y est, elle pue. C'est parce qu'elle donne trop d'amour, ça. Elle donne trop d'amour. Et faites-moi un bébé avec des yeux verts bleus, là. Hein, avec des beaux yeux, comme lui. Et elle a toujours des sacrés boobs, hein. Donc. Oh putain, mais elle va être enceinte. Les boobs, ils vont doubler de volume encore. Et elle pourra plus faire de sport par contre. Bah elle chantera à la place, hein, voilà. Donc voilà pour les petites nouveautés. Et encore les étincelles et tout, hein. Et c'est l'alchimie est parfaite, hein. Première séance de crac-crac, mais bon, là, c'était. Ils ont déjà fait ça la dernière fois. Hein. Mais ils kiffent, hein. Mais... Parce que lui, voilà, il est tout neuf, tout propre. Il vieillit dans 24 et elle dans 17. Donc, ouais, elle a quelques jours d'avance, mais ils pourront presque vieillir en même temps. Oh putain, elle est dégueulasse, ma cocotte. Allez, va te doucher. Va chanter sous la douche. Tu travailles, non? Alors, attendez. Non, elle travaille pas. Donc, ils vont faire que ça aujourd'hui. Ils vont niquer. Pardon, j'ai tapé dans mon casque. Ils vont niquer! Putain, mais elle est fatiguée, en fait. Elle est fatigue. Et toi? Bah toi tu peux aller pisser, hein. Vas-y. Vous faites une pause et après vous remettez ça. Oui je sais, je peux lui faire le test tout de suite. Oh non, t'as cassé la douche! Alors regardez une des jolies tenues de mademoiselle. Ouais, allez bah écoute, tu t'attends qu'il pisse, tu vas appeler le compte service de réparation et puis hop. Après elle ira faire ce test. Avant c'était plus le code qui réparait ça en 2 secondes et demie. Eh oh! Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ce nouveau look, nouvelle vie. Et bah, ils feront un bain, lui, tranquille. Tu veux qu'on remette ça, chérie? Ah! Bon, elle est claquée, donc à mon avis, ça sera pas terrible. Hein. Alors lui, il est trop habillé, en fait, et elle l'est pas. Je crois que je vais lui laisser son autre pyjama. Hein. Donc elle a deux pyjamas, elle préfère la tenue sexy, j'ai plus rien. Pas de sport enceinte, non. Ils peuvent pas faire de sport enceinte. Sauf si ici elles sont énergisées par défaut et qu'elles se fassent elles-mêmes des pompes et tout ça. Mais normalement, tu peux pas le faire. Ça va être abordé avec sa tenue si elle tombe enceinte. C'est comme ça, hein.
on va la laisser dormir ou on fait le test tout de suite après? Bah lui il doit bosser hein. Pire, je laisse dormir. Oh non, il veut se lever. Il est content. Il a utilisé le bidet, le crac-crac était agréable. Bon bah vas-y, tu peux te prendre une douche. Et puis t'iras manger encore, parce que t'as bouffé en pleine nuit là. C'est ton gâteau d'anniversaire. Bon Nathalie, Nathalie, elle va attendre la mort maintenant. Tu vas aller rejoindre ton mari, hein? Oui. Tu vas pas nous manquer. Je suis horrible. Je suis horrible. Voilà. Non, franchement, la cuisine... Et puis en plus, ils peuvent manger là, mais ils viennent quand même dans la salle à manger. Ça me fait plaisir. Parce que c'est quand même vachement plus joli de manger dans la salle à manger comme ça. Qui est quand même plus sympa. Hein. Ah, c'est vrai, il y avait la loterie. Antonio Rodriguez. Bah, c'est pas nous. Nous n'avons pas gagné. Yoga non plus. Ouais, non, yoga non plus. Salut, Ednouche, comment tu vas? De quoi le test, Quentin? Quand te parle? Non, non, on peut pas faire de sport. Enfin, elles peuvent pas faire de sport. Bon, je vais la laisser dormir un peu, quand même. C'est une blague! C'est recassé! Non, attends, c'est bon. Non, mais vas-y, je... Dors. Dors. Dors, j'ai réparé. On a assez d'argent. On n'est pas... On a 69 000. Regardez! De la neige! Parce que dans les Sims, hein, qu'importe là où tu habites, tu as toujours de la neige en hiver. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des mondes où il n'y a pas de neige, mais... Parce que nous, cet hiver, la seule fois où il y a eu de la neige sur Paris, c'était la mi-novembre. Hein. Je m'étais dit, qu'est-ce que ça va être pour l'hiver? Et en fait, on a jamais eu de neige. Sachant que c'était une neige qui est pas tenue, en fait. C'est la seule fois où on a eu de la neige cet hiver. Donc. Moi, ça m'arrange, parce que je suis pas fan. Mais c'est très beau, hein. C'est très très beau. Mais en pratique, quand tu es en ville, c'est vite un enfer. Donc au final, c'était très bien. Merci Ednouche pour le follow. Ah, le test de grossesse. Oui. Sinon, c'est vrai que ça retarde le temps de machin. Eh, vas-y. De toute façon, elle est remontée dans le verre, donc... Alors, à votre avis, ils ont fait ça 3 fois quand même, hein. Mais elle est déjà en train de faire pipi, elle a pas fermé la porte. Systems. Deux. Vas-y. Oui. Regardez les boobs. Oh là là. Oh, ce petit cul. Elle mange pour deux. Ou pour trois. La la la. Oh, j'espère que c'est une fille. Au moins une fille dans cette génération, s'il vous plaît. Chucha. Va manger, cocotte. Voilà. Bébé numéro 1 de la génération prune enclenchée. Combien il y en aura? Je ne sais pas. Je verrai si on a déjà 2 filles. Peut-être qu'on en fera 3e. Si on a que des garçons, je voudrais quand même avoir au moins une fille. Parce que c'est sympa les filles aussi. Parce que c'est... Ça y est, je suis malade. Parce que c'est sympa de se sentir une fille aussi. Hein, comme dirait l'autre. Brava Nunu, c'est ça. Moi aussi j'ai les Sims. Ah, c'est super, j'espère que tu t'amuses bien avec. Parce que tu vois, moi je m'éclate avec. J'ai beaucoup plus la pêche maintenant qu'on a commencé à tourner, je vous le dirai. Bon, Nathalie, quand est-ce que tu crèves? Nathalie. Froide et paranoïaque, mais quel enfer c'était cette salle-là. Non, elle était belle. Nathalie était belle, elle nous a pondu 3 lardones, très 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 belle. C'était cool. J'ai l'impression que c'était hier qu'on l'a rencontrée dans le bar à Glimmerbrook. Et ouais, pendant que notre pulcote essayait de s'introduire dans la secte. C'était il y a un moment déjà, mais... voilà. Bah alors? Bah Adonis, ça ronflette là? Ça ronflotte? Et elle pète. Dégueulasse. Mais j'ai pas vu de femme de ménage passer, en même temps on était occupé là-haut. Donc voilà, la salle de sport a été agrandie et j'ai mis la table de massage ici. Histoire 2. Bon, la fusée... Ouais, oui, il y a ça aussi. Bon, on s'en fout, on va le mettre chez Nathalie. Il y a aussi la fusée qu'on pourra... vendre. Ou pas, je ne sais pas. C'est la fusée de Pulcote, hein. C'est plus vraiment la nôtre. Hein, mais... Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah voilà, par contre, bah écoutez, je vais la laisser faire. Donc ça, c'est un nouveau look, nouvelle vie. Le look d'hiver. Comme c'est elle qui l'a fait, elle va pouvoir, voilà.
Moi, mais je pense pas que quand c'est moi qui le demande. Attendez. Ah si! Elle peut le faire? Non, parce que des fois, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Hein. Oh, bah elle peut. Bah dis donc, je suis étonnée. Bon, bah, c'est pas grave. Tu veux quoi? T'as quoi? T'es fatiguée? Bah ouais. Bah ouais, écoute, j'y peux rien moi. Va faire la sieste. Et quoi, il est 14h. Ouais, vas-y, va faire la sieste, fais comme moi. Moi aussi, j'ai fait la sieste. Elle a une nuit très mouvementée. Elle a fait crapulade sur crapulade. Maintenant, voilà, on va attendre. Mais habille-toi, la vioque! Qu'est-ce que tu me fais? Vas-y, habille-toi. Quelle belle cuisine, hein. Elle a toujours un look de jeune, ça me tue. Attends, non, avant de faire du gâtal, tu vas me cuisiner un truc. Tu vas servir le déjeuner. Des sandwichs BLT. Enfin, des faux sandwichs. Non! J'ai dit... Putain. En plus, je me suis dit, faut que j'essaie de caler une... Mais j'ai dit non. C'est pas possible, ça. Ah, vas-y, ça m'énerve. Il m'énerve, ces Sims. Il m'énerve, ces Sims! Faut que je sois zen, là. Ce qui m'énerve. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui. Non, mais la femme de ménage n'est pas venue. Lui, il en peut plus, hein, il est dans tous ses états. OMG, OMG, je suis excitée. C'est bien. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas être musclé un petit peu. Voilà, comme ça tu feras du sport avec ta femme. Enfin, ils sont pas encore mariés. Hein. Faut voir, je les marie, hein, mais bon. Pulco n'étant plus là, est-ce que c'est vraiment intéressant de les marier? Il faut que je les marie. C'est l'histoire de cette génération-là qu'il faut, mais bon. Au troisième trimestre, ils font on peut plus? C'est possible. Jeudi 23h pour... Ah, c'est en train de pronostiquer l'heure de la mort de Nathalie. Faites vos paris quand Nathalie va clamser. Alors, vendredi 1h du matin, jeudi 23h, on est quoi? Jeudi 15h. Hein. Parce que oui, ça va pas tarder, hein. Elle clignote, hein, donc... Le suspense reste entier. Attendez, moi, jeudi... Je dirais jeudi à 19h. Allez, dans quelques heures, là. Bon, je la laisse faire, on s'en fout. C'est au troisième trimestre que ça marche plus pour le sport, en tout cas. J'ai déjà... D'accord, ok, très bien, Camille. Jeudi 21h, allez. Il y a des pronos pour tout ça. Jeudi 20h, jeudi 18h. Les mariés, j'ai cru qu'on parlait de moi. J'ai entendu Marie. Parce que là, il est 15h30, elle se porte encore bien. Vous aussi, à la rediff, si vous regardez, essayez de parier dans votre coin et pour voir quand est-ce que vous allez gagner pour la mort de Nathalie. Hein. Écoutez, il faut bien qu'on s'amuse de temps en temps aussi. Hein. Regarde cette conne! Elle a même pas fini son bout de gâtal! Bon, elle a fait les sandwichs, c'est déjà ça. Écoute, non, mais meuf! Attendez. Comme il y avait qu'elle qui faisait à manger, je vais en profiter qu'elle soit encore en vie pour qu'elle puisse faire du manger pour sa fille et... C'est tout, enfin ça donne pas envie, soupe de palourde et tout, s'il te plaît. Allez, macaroni au fromage, c'est pas comme si ça m'avait manqué, mais... Et Adonis va bosser dans 1 heure. Il a faim. Ben... L'obsession gâteau au chocolat, mais le gâteau au chocolat ça nourrit pas, hein. J'ai l'impression que... Enfin, c'est une certitude, vous me direz, mais... Ah, j'ai une oreille qui siffle. Bah écoute, meuf, si tu peux t'entraîner, hein. Alors, il faut que je fasse quoi? Repousser ses limites pendant 1 heure en étant énergisé. Ah, attendez, on va peut-être pouvoir le faire là. Non. Donc commence maintenant. T'auras peut-être le repousser ses limites. On verra. Bon, elle n'est plus énergisée. Voilà, c'est déjà bien. En tout cas, on va faire augmenter son fitness qui est à 7. Et lui, il va les taffer. Non, mais tu vas pas... Non, oui, voilà. On va voir juste combien ça lui rapporte. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai qu'il a pas d'abdos par contre. Hein. C'est pour ça qu'on va, le faire travailler un peu le sport. Vous avez tous reconnu évidemment cette fabuleuse musique que j'imite à la perfection. Ou pas. Mon Nathalie, 17h.
J'ai vu quelqu'un qui avait dit 18h et 19h. 19h, j'ai dit moi, 19h. En tout cas, 18h approche. Alerte à Malibu. Bravo! C'est que ça va, c'était pas très compliqué à reconnaître. Donc c'était... Et hop, elle refinit son bout de gâtal. Tranquille. Je vous jure. Manque plus que le maillot rouge. Ouais, j'avoue, c'est qu'il est jaune, je pense, parce que les... J'ai peur. J'ai peur, j'ai cru que c'était la mort qui arrivait. Mais c'est la mort qui est arrivée, Nathalie. C'est la mort. Mais bon. Musique non reconnue. Oh, Quentin, voyons. La faucheuse est à la porte, Nathalie, fais attention. Hé, tu peux dire à ta mère que t'es en cloque. Histoire qu'elle parte avec une bonne nouvelle à annoncer à Pulco dans l'au-delà. J'ai hâte de la génération Prune, c'est trop gris. C'est pas moi qui décide. Hein. En même temps, de passer de menthe à rouge, tu vois, c'est hyper, hyper fort. La couleur rouge, elle est tellement violente par rapport à menthe. C'est... Je sais pas comment ils ont choisi leur couleur, l'ordre des couleurs. Bonne soirée, Pauline, à bientôt. J'adore cette coupe de cheveux nuages. Ouais, bah je lui ai fait les petits cheveux longs et tout, et puis elle est toute mignonne. Hein. Oh là là, et dire qu'elle est en cloque, ça y est. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller voir si Mini n'a pas encore mis bas. Et là, et c'était... Oh, petite Marina, elle a les cheveux noirs comme son papa. Donc, vous inquiétez pas, hein, j'avais pas... Oh là là, ça... C'est joli tout ça, cet arbre généalogique maintenant. J'avais laissé Mini qui n'était pas dans le monde. Mais vous inquiétez pas, maintenant elle habite ici. Mini habite là et Perle habite là. Donc on est très entouré par notre famille. Donc on risque de les croiser très régulièrement et les gosses avec. Donc bon, pas pendant qu'il neige comme ça, mais je les ai installés dans le quartier. Donc voilà, on risque de les voir. La famille n'est pas éloignée, vous inquiétez pas. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, elle est fatiguée. Bah ouais, mais... C'est ça de faire des crapulades toute la nuit. Hein. Alors, il va être 19h. Il reste 10 minutes de l'heure de 18h pour que Nathalie crève, mais... Aïe, 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 le créneau 18h va perdre. Le créneau 19h commence et j'ai eu parié le créneau 19h, moi. Attention, attention. Ça devient problématique. Elle doit faire quoi? Ah oui, la compétence éducation et le chant. Écoute, viens chanter. Viens chanter un peu, tu t'en fous de ta mère. Un truc horrible. Si ma mère m'entendait faire dire ça, elle se disait oh, tu te prends pour qui là? Non, mais ça va pas te dire des trucs comme ça. Mais c'est des Sims. Eh ben même, on dit pas des choses comme ça à sa mère. Ah! Vous entendez bien, j'espère. Oh! Vous entendez bien. Ah! Oh! Tu crèves! Tu crèves! Crève, Nathalie, crève! Vieille peau dégueulasse! Avec tes yeux bleus que t'as pas su transmettre à tes gosses! Putain, elle est encore sur l'ordinateur. Wow! Si je perds, j'offre une licence Caper Sky, mais non, Quentin. Bon bah j'ai perdu. Le créneau 20h arrive maintenant. Attendez, ah non, j'ai eu peur. Je la voyais arrêter de jouer, je me suis dit ça y est, elle va crever maintenant cette conne. On dirait moi dans Animal Crossing quand je frappe mes habitants pour qu'ils se barrent. Ah bon? Alors 20h, oui t'as le créneau de 20h Quentin, donc de 20h01 à 21h. Bah de 20h à 21h, si elle meurt, tu auras gagné.
Donc, gagner quoi? Juste le. Vous avez gagné quoi, mais vous gagnerez pas grand chose d'autre, hein. Ma bono! Bonne soirée, Prune, des gros bisous! À chaque fois qu'il y a un truc qui bouge, je me dis ça y est, elle va clamser. Nous sommes toujours au niveau 5 de chant. Oh, le chemin de la gloire! Babi bam boum. Ah, il est rentré. 192 simflouz. Bon, bah tu vas changer de boulot, hein, mon coco. Tu vas te changer aussi parce que. Oui, Bichette. Oui, Bichette. T'es fatigué? Fais un petit pipi. Après ta femme, elle est en train de chanter. Tu iras faire la sieste sur le canapé. Salut Nathan Martinez. Merci de follow, bienvenue à toi. Bon, le créneau 20h a perdu, on est à 21h. Allez, va dans la tombe. Salut Sabir, comment tu vas? J'avais pas vu que c'était toi, désolé. Oh! Les 21h ont gagné! Braval! Ça y est! Nathalie se casse! Nathalie se casse! Elle crève aux pieds de sa fille qui chante et elle n'en a rien à foutre! Le créneau 21h a gagné! Il se reconnaîtra! Ah, c'est... avec le dentier qui dépasse! Voilà! Encore une, pardon. C'est bien, ma cocotte. Tu chantes bien. Elle en a juste rien à foutre, c'est magnifique. Elle en a rien à casser. Elle est où, la faucheuse? Il te fait trop froid pour la chauffeuse? La faucheuse, la chauffeuse. Elle est où? Ah, elle doit pisser. C'est pas sa mère hein, qui l'a assisté au décès. Vas-y, fais ta petite tête de... Oh, que je fasse un imprimé-écran. Non, toujours pas. Elle a pas encore vu que sa mère était claquée. Je pense qu'elle en a rien à foutre. Ah, ça y est! Bah dis donc, après avoir rigolé, chanté, pété... Elle a enfin capté que sa mère était morte. Ah, bah elle est là, la faucheuse. Allez, tu peux aller pipiter. T'iras manger. Puis après, vous irez vous coucher. Hein. Oh, Bichette. Bah, il fallait bien qu'elle parte, hein. Le créneau 21h avait bon. Voilà. Bah ouais. Bah, faucheuse, fais ton office. Emmène-la. Emmène-la. I know you want a criminal. Bah, elle a le temps de faisant des parterres, hein, tant que la faucheuse arrive. Hein. Sianana, GG! Bravo! Et salut Quentin numéro 2! Quant 2! 20 interactions plus tard. Oh, ma mère est morte, j'avoue! T'avais dit quoi? Il est 22h, la faucheuse. Ah oui, non, mais elle est morte à 21h30, quoi. Elle a fait un bruit chelou, la faucheuse, là. Bon, alors, tu l'emmènes ou il y a un problème là, de livraison? Non, c'est bon? Ouais, c'est bien celle-là. Ouais, tu peux la prendre. Il y a son mari qui attend là-haut, là. Tu peux y aller. Et merci, Maylis Elsa. Maylis? Ouais. Bon, on était trop optimiste à l'avoir crevé avant, mais... bon, c'est comme ça. Elle a lâché une caisse dans le corps de sa mère. Non, pas dedans, mais elle était en train de chanter, elle était là, puis elle a pété, alors que sa mère était par terre, quoi. Bon, bah voilà, le foyer Rainbow s'est très largement réduit. Donc maintenant, bah, il faut attendre que le morveux de la génération prune débarque.
Bah écoute, tu peux aller dormir, cocotte, t'es fatigué. Non. Tu vas aller pas dans le lit de ta sœur, hein. Tu peux aller dormir là, hein. Toi, tu peux aller... Arrête, non. J'en ai marre que vous bouffiez de gâteaux. Ça nourrit pas. Nathalie, avant de claquer, elle a quand même fait à manger exprès pour vous, donc vous allez manger un truc. Hein, qui est... Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est une serviette de plage. Oui, c'est la logique. La logique même. Ah, donc on va le faire démissionner aussi, tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire comme boulot, les enfants? Votre avis, qu'est-ce que pourrait bien faire ce petit Adonis? Il est quoi dans sa vie? Il est soigné, perfectionniste et romantique. Oh bah la faucheuse, elle a décidé de s'installer pour lire un livre. Elle me dit, bon, attends, il caille dehors, merde. Je vais me réchauffer auprès de devant la cheminée, moi. Combien de bébés, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on verra ce qui sort. On verra. Je vois encore Bordeaux tout petit se battre avec sa queue. Ah ouais, j'avoue. Et ouais. Et ouais. Ça va vite, hein. Et encore, je vais moins vite que Crime, hein. Parce que Crime, dans 2 semaines, elle m'a dépassée, hein. Elle est déjà en train de pondre les bébés gris, alors... Vous voyez le délire, un peu. Merci, Dolce Pepitana, bienvenue à toi. Il y a du monde qui arrive ce soir. Quand tu veux, Jean-Pierre. Alors lui, par contre, il s'en fout. Hein. La belle blush, elle est crevée, on s'en fout. Vas-y, laisse les assiettes. Va dormir. Oui, bah va dormir. Ah oui, c'est vrai, démissionne. Le temps qu'on se décide ce qu'on va faire de toi. J'ai hâte de voir quel petit bout de chou est sorti. Oh là là, sexy man avec son petit slip rouge. Et voilà, Nathalie est partie. Prof, dans les affaires, écrivain. Dans leur chambre à l'appart. Dans la mini chambre à l'appartement où ils se tapaient. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire la baston pour savoir qui des deux serait héritier. J'avoue, c'était trop bien. Elle a eu le premier bébé de la génération grise. Déjà? Putain. Ah, mais en même temps, elle joue beaucoup plus longtemps et plusieurs fois dans la semaine. Donc forcément, elle va me dépasser. C'est pas une course, hein, je m'en fiche, hein, moi je suis pas à ça près. Hein. Alors, tu vas te prendre une douche. C'est juste que comme j'ai commencé cet été, tu te dis, eh oui, quand même, elle va vite. Hein. C'est juste, y a pas avocat. Attendez, donc du coup, vous pensez que c'est quoi? Maître nageur, c'était bien parce que son petit... Ouais, non, mais alors, ça gagne pas beaucoup. Voilà, on va lui trouver un truc un peu mieux. Regardez cette tenue! Ah! Le kit mini maison en force! Brrr! Oui, mais tu vas aller manger, Jean-Claude, là! Jean-Claudette! Lui aussi, il va aller manger. Mais va manger. Déjà, va prendre ta douche. Voilà. T'es pas assez musclé pour traîner en petit slip. Ça y est, je commence déjà à être méchante. Regardez comme elle est belle. Voilà. Un petit peu de bidou. Un bidou musclé, parce que madame, quand même, est très des abdos que vous aurez jamais dans votre vie. Et j'ai enfin mis le radiateur. L'aspirateur qui allait avec le truc. Donc, je sais pas. On va le faire fonctionner. On va voir s'il est vraiment utile ou pas. Il fait pipi debout! Normal. Ingénieur. Oui, elle fait plusieurs fois par semaine, je sais, c'est pour ça qu'elle va forcément. Comme je dis, moi après, je l'ai fait qu'une fois par semaine. Ah, c'est ça qui fait ce bruit! J'ai eu peur! Parce qu'en fait, sinon, les abonnés, ils n'ont pas le temps de suivre si je le fais plusieurs fois. Au début, je faisais deux fois par semaine et j'ai bien vu que c'était trop pour certains, donc j'ai ralenti. J'ai ralenti volontairement, mais c'est pas un souci. Ingénieur. Gênant pour la génération prune. 135 euros. La prune. Ah oui, mais oui, bah, ça peut être prune, hein, déjà de base. S'il y a une fille, elle peut s'appeler prune, hein, ça c'est clair. Par contre, il est un peu addict au chocolat, là. Oh, illuminer la journée, biche. Ah, ça y est. Non, et monsieur, il a froid. Hein, mais... Ah, il est bugué de la main, avec sa fourchette. Oh, Bichette, elle est tristoune. Oh. J'espère que tu vas nous pondre des gamins avec des yeux bleus, je te le dis. La relou. La relou! Mais je n'ai marre, je ne veux plus des yeux marrons. C'est bon.
C'est bien une fois par semaine, ça nous laisse le temps de rattraper quand on est immortif. Voilà. C'est pour ça, je me dis une fois par semaine, c'est bien aussi. Et merci à Anne Loca 91 pour le follow et bienvenue à toi. Voilà, le machin, il revient. J'ai pas fait attention s'il passait les portes. D'accord. Travail de nuage commence dans une heure. Bah, bichette. Bah, elle va mieux, ça y est, elle a oublié sa rhum, tout ça. Tu vas rouler une pelle à ton mec ? Vous êtes même pas petits amis, vous avez pondre un enfant ? Mais merde, alors j'ai manqué à toutes mes obligations, moi. Viens pas. Non, c'est vrai que la semaine dernière, on a tout juste fait le premier crac-crac et il a emménagé. Mais là, j'ai passé la vitesse du... C'est même plus la deuxième vitesse, c'est la cinquième vitesse, là. Hein. Oh, ils sont trop choux ! Vas-y, refais-lui, je voulais vous prendre une truc. Draguer. Allez. Draguez-vous, mes petits chachous. Caressez la joue. Pour que je puisse prendre une photo. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte de voir leur bébé. Ah, super! Magnifique! Mais t'es sérieuse? Mais tu viens de bouffer? Bah, elle va gerber. J'avais un super plan là. Oh, me casse les pieds, ces Sims. Ils veulent jamais faire ce que je veux. J'en ai marre de jouer à ce jeu de merde. Oh, peut... Bah, elle a été vomir, mais le ventre, il a bombé d'un coup. Hein. Oh là là. Regardez comme c'est beau. Enfin, c'est beau. Je parle des fringues, hein, évidemment. Je suis horrible. Je sais, vous voyez pas, mais c'est juste pour le cadrage qui est joli comme ça. Ah, sinon, on va, si vous voulez voir sa tête, on va faire comme ça. Tac. Voilà, avec le petit cadrage, avec le bidou. Le bidou qui poupousse. Oh, Duncan, comment tu vas, mec, bro? Brr. Brr. Attends, on va faire venir... merde, oh là là, je commence à m'embrouiller, moi, avec mes... Mais viens, présentez-vous. Vous allez être beau frère. Comment ça va? Salut. Ah, ça y est, c'est toi le... C'est bon, t'es le définitif? Ouais, je crois, ouais. On va avoir un gosse, ouais. Donc, c'est cool. Ah ben, moi, j'ai pris la première. Oh putain. J'avais oublié que... Non, meuf, t'as intérêt à avoir une petite promotion, parce que là, on va pas être copains, hein. C'est quoi ce truc de merde? Ouais, t'as déjà tout ce qu'il faut. Allez, tu vas discuter avec les collègues un peu, tiens. Ah non, non, c'est pas possible. Hein. Donc, vous m'avez dit quoi pour la... La... Bienveillant. Pour notre ami Adonis, est-ce qu'on le fait travailler dans... Je sais plus, vous m'avez dit tellement de trucs différents. Puis comme je suis un peu fatiguée, j'ai oublié. Ils sont mignons, ils ont... Mais oui, ils sont mignons. Alors, vous m'avez dit, juge... Les affaires juridiques. Du coup, en couleur de cheveux, ça va être quoi? Il n'y a pas de violet. Si, si, c'est un violet, mais ça m'a à partir de l'adolescence. C'est un peu comme la couleur grise. Ingénieur. Ah, peut-être. Une des dernières, comme ça, ça me fait tester la truc, en fait. Une des dernières qu'il y a avec à la fac. Mais d'accord, le mec, il rentre juste pour... Ok. Ok. Je suis Jacouille la fripouille. Oh là là. Charlie, ça ne va plus. Alors, pas acteur, pas détective, pas médecin, pas scientifique, affaire, agent secret, artiste, astronaute, athlète, auteur, criminel, critique, culinaire, écologiste, éducation, c'est ce qu'on avait fait avec Nathalie. Ah, est-ce que la carrière d'indépendant fonctionne maintenant? Parce que la seule fois où j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Influenceur de style, ingénieur. Ah, ingénieur, j'avoue. Juridique, je suis en train de la tester sur mon Legacy 2.0. Après, les autres, je les ai toutes fait un peu au moins une fois. Enfin, pas forcément les petites comme ça, non, mais... j'avoue, ingénieur, c'est plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? Je me souviens pas tout dû l'avoir vu. J'ai vu rose, juste en couleur de cheveux. C'est un espèce de... Oui, c'est un espèce de rose, mais c'est un violet, si tu veux. Ça reste un violet, mais... En fait, il y a le rose très flashy. Mais c'est pas celui-là.
Il y aura la génération rose très flashy. Attendez, je suis en train de me prendre la tête sur un truc sur la tablette. Mais là, ce sera l'espèce de rose violet qui est pas vraiment violet ni vraiment rose en fait. Allez, ingénieur, vous êtes tous pour? Ok, on est parti. Bidouiller quelque chose sur la station de robotique. Bah voilà, donc ça me... Bah écoutez, ça sera dans la salle de sport, hein? Ah, puis alors la robotique, c'est exactement ce que je fais avec Matisse, dans le Decade. Donc on reste dans le domaine. Non, vous buguez pas, hein, c'est... Voilà. Alors, c'est dans quoi? Activité d'intérieur. Puis il va s'électrocuter toutes les 4 tous les 4 matins, hein, ça on connaît. Oh là là, en plus elle fait 3. Casse-couille. Hein. Voilà. Bah ouais, mais je sais plus où j'ai mis mon chemin, mais ça devrait être bon, je pense. Voilà. Mais écoute, mon coco, tu peux venir bidouiller. Bidouiller quelque chose, voilà. On va commencer comme ça. Dois-tu lancer... Bah oui, vas-y. Alors, optimiser la conception du matériel. D'accord, donc notre premier truc, c'est déjà, ça va déjà pas, faut déjà faire autre chose. Oui, d'accord. Je vais mettre sur pause le temps que je trouve, hein. Optimiser la conception du matériel. Alors, ça doit être dans carrière ingénieur. Ok, c'est ça. Alors, voilà, mon coco. À toi de travailler. Il est beau, hein. Il est beau, ce garçon. Ça a bugué comment, le carré indépendant? J'avais pris auteur, je crois. Enfin, je sais plus. Il y avait un truc où il fallait qu'il écrive. Parce que du coup, je l'ai pas fait. C'était sur Legacy 2.0. C'était Sirius. Mais ça marchait pas. Je sais plus. Ça, en fait... Si, en fait, les missions ne se validaient pas. Donc, bah, du coup, t'étais jamais payé. Voilà, donc j'ai vite abandonné, j'ai pas réessayé les autres carrières d'indépendant. Ça remonte à quelques temps aussi. Hein. T'es triste, tu vas te morfondre un peu. Alors, anniversaire du patron. On l'avait pas déjà vu ça? Nuage veut offrir un cadeau d'anniversaire à son patron, mais ne peut pas quitter le travail pour l'acheter. Comment doit-elle faire? Est-ce qu'on commande sur l'internet ou est-ce qu'on lui fabrique un petit cadal? À vous de me dire dans le chat. Allez, je pense que le fabriquer un cadeau est à une voix à l'avance, hein. Allez, on va voter pour ça. Nuage est très doué pour fabriquer de jolis cadeaux avec un assortiment de trombones, rubans adhésifs et papier A4. Son patron est vraiment impressionné par sa compétence et son ingéniosité. Mais c'est très bien ça. Tiens, Mini, que tu fréquentais Adonis. Bah merci, merci, merci. Merci pour elle. Oh, regardez, c'est trop beau les flacons. Les flacons de neige. C'est beau. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Les saisons sont vraiment magnifiques, quoi. C'est le genre d'addon qu'on aime parce que, bah, il est tellement bien foutu en même temps. Voilà, voilà. Bah, du coup, je m'étais... Vu que j'avais rénové deux chambres, je me dis, celle-là, comme elle est grande et tout, soit on réunira les... Je sais pas combien de gosses il y aura, hein. Mais on pourrait soit faire une chambre, future chambre, la future chambre des parents, hein, peut-être qu'on bifurquera aussi. Soit ça deviendra une salle de jeu pour les gosses, ou de repos, enfin bref. On verra. Pour l'instant, on n'y est pas encore. D'ailleurs, je vais éteindre les lumières, tous les éclairages, clac, parce que sinon, pas d'électricité pour rien. Mais toi, c'est quand tu veux. Hein. Et 24 sims plus de l'or quand même. Il a même pas encore commencé son boulot. Il sera déjà en week-end. Bah, c'était ta mère, Mini. T'es gentille. Allez, performance excellente. Moi, bon, elle travaille ce week-end. Cocotte. Ça monte, ça monte. J'avoue, ça change tout. Ah, c'est pas les tâches, c'est un peu beau, un petit peu... Bon. Attendez. Hein? Ah non, c'est lui qui a reçu les sous! J'allais dire, mais elle est pas rentrée. Eh ben alors, Jean-Pierre, oh, il veut faire à manger. Mais non, il y a déjà des trucs à manger.
Bon, bah, il a envie de cuisiner, il va me foutre le feu. Je te jure. Je te jure, tu me fous le feu. Pas le temps de finir ma phrase. Juste, retenez cette tête de lover, là. Regardez le beau mec. Regardez, ah, il est beau, hein. Il se la pète, hein. Il n'a pas encore constaté qu'il avait foutu le feu, cet idiot. Par contre, il y a les petites étincelles qui commencent à venir au-dessus de sa tête, genre, on va te cramer les cheveux. Mais bon, il est pur beau gosse. Oh, putain. Oh, j'ai cru que ma... Que ça... Ah, c'est la fenêtre qui a pris feu. What? La fenêtre qui prend feu? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie! La fenêtre qui a pris feu! Non mais tu éteins! Commence pas! Allez! Oh non mais quand même! Vous êtes toujours excité! Quand je t'avais dit qu'elle allait bouffer ce qu'il y avait à l'intérieur là! Oh mais c'est pas vrai! Ils m'ont rendu chèvre. Et pourtant, j'adore les chèvres. Nuage, tu attends avant d'accoucher. Oh oui, bah t'inquiète, hein, va pas accoucher maintenant. Dans la piscine. Je vais pas le noyer, j'ai encore besoin de lui. Mais qui sait, il va peut-être mourir rapidement. Hein, parce que là, tu pars très mal dans la vie, en fait. Adonis, hein, t'es beau gosse, mais... Tu pars très mal dans la vie. Je te le dis tout de suite. Là, tu fous le feu dès que tu touches à la cuisinière. Ça me plaît pas. Quoi? Arrêtez le harcèlement là! Qu'est-ce qu'il veut lui? Dégage! Non mais lui il veut toujours faire la fête quand on est triste. Non mais. Et heureusement qu'on l'a largué. Hein. Allez bidouille! Tu vas te prendre une. Ah bah tiens! Bien fait! Voilà, ça te fera les pieds. Ça te fera les pieds. Encore t'as de la chance, tu peux éteindre le feu, t'aurais été dans la partie, tu aurais dû attendre que je consomme toi. J'avoue. Ah bah elle est reviendue. 196 Simflouz. Bon, dis donc, c'est pas terrible non plus. Hein. Je déteste cette tenue. Tu vas... Bon, tu vas être douchée. Hein. Tu vas aller chanter sous la douche directe. Comme ça, tu te changeras en même temps. Je sais pas si elle a envie de se doucher. Ouais, non, pas trop, mais elle ira quand même. Non. Tu peux venir toi, mais moi, je viens pas. Bah, c'est pire. Ah, Nuage, ton mec, il a foutu le feu, là. Hein. Nettoyer le sol. Bon, on n'a plus de femme de ménage, hein, d'après ce que je comprends. Oh, biche. Oh. L'épisode du facepalm? Ou comment ça se passe? Parce que bon, là, quand même, j'ai envie de dire... Elle pleure et juste après, elle largue une caisse. Pourquoi tu veux t'enfuir? T'étais pas... T'es à l'intérieur, là. On n'est pas dans machin hospital, donc il n'y a pas besoin de mettre un radiateur. Ils ont pas froid. Une biche, avec son gros bide. Troisième trimestre dans 16 heures. Oh, quand même, je pense qu'on va avoir le bébé aujourd'hui. Hein. On va avoir le baby aujourd'hui. Le baby. Une fois j'ai créé un sim, je l'ai installé dans sa maison et le premier petit déjeuner me fout le feu, il meurt, j'ai joué 10 minutes. Ah, ah là, la haine, non mais franchement ils sont... Eh, il s'est pas électrocuté. Il s'est fait mal, mais il s'est pas électrocuté. Fabriquer un robot bavard. Tu peux bide. Non, non, je voulais que tu fasses de ça. Vas-y, tu vas t'entraîner aussi. Avec ta dulcinée. Eh, toute grise, lui, est tout coloré. Comme ça, ils font des sports en couple. Parce que ça marche bien sur YouTube, les sports en couple. Tout ce qui est en couple, les dégustations, tout ça. Ce look de vainqueur. Ah la biche! Regardez-moi ce ventre. Il était moins gros tout à l'heure, hein, ou c'est moi? De quoi? Mais de quoi? Y'a rien?
Pourquoi elle dit que c'est crade? Elle a fumé ou quoi? Oh! Ils sont moignons. Ils sont moignons tout plein. 22h. Ah ouais, ce que j'allais dire, on va peut-être faire quelque chose, mais en fait, non. Tu vas aller au pipi. Toi, eh ben, tu vas aller manger. Alors, est-ce que tu as des compétences en cuisine? Oui, tu mettras pas le feu, si. Donc, ce sera elle qui... Ouais, non, donc elle va manger ce café. Je m'embrouille déjà la tête. Tu vas manger ça. Vas-y. Et t'iras au pipi après. Voilà. Ah, puis il y a une flaque. Bah, tu vas aller nettoyer ça. Voilà. Voilà, voilà. J'ai même pas eu le temps d'aller le voir pisser qu'il était déjà reparti. Bah, non, en fait, il y a pas été, il a juste tiré la chasse. Ah, ils vont en front voir ceux-là, je vous jure. Parce que là, elle va travailler. C'est dommage parce que je serais bien allée voir les sœurs. Pour voir les bébés. Pour voir les petits bébés. Ah, mais. Ah, il y a une flaque! Elle a perdu les os sur le tapis de course. C'est pour ça. Tu lui as donné des haricots saucisses. Ben non, c'est parce qu'elle est crasseuse. Donc elle pète. Elle va rôter. Elle va péter toute sa vie comme ça. Sans. Pour le plaisir, quoi. Il faut que je mette à exploiter monsieur pour monter plus vite. Je sais pas. J'ai pas capté de quoi tu parlais. Oh mon dieu, c'est reparti pour les gens bizarres qui viennent à notre porte. Thomas Lewis. Non, bah non, on veut pas t'ouvrir, t'es moche. Cette condescendance. Alors, tu vas lui faire lui compliment. Oh oui. Regardez-moi ce petit bidou. Vous êtes pas bien habillé tout à l'heure, vous étiez plus mignon quand même. Oh, tu veux venir te réchauffer dans le lit? Allez, venez, venez vous réchauffer dans le lit. Ça a beaucoup plu, dis donc, dans le Lord and Lady, quand je suis partie en délire en disant « Oh femme, ce soir, tu vas me satisfaire ». Ça a beaucoup plu, je crois. Ça fait rire parce que, voilà, des fois je fais les voix, des fois pas, ça dépend. Quand je suis inspirée. Putain, mais tu vas fonctionner, ouais, machin bidule. Oh, yips! Allez vous réchauffer, là, allez faire du sport. Du sport en chambre. Oh là là, regardez! Regardez! Là, ça y est, on peut dire que c'est un couple très fusionnel. Hein. Vous avez remarqué que la fusion est totale. Hein, ou alors, il passe par derrière. On n'a rien dit, on n'a rien vu. Je ne suis pas comme ça. Allez, hop là. Yo, prospère. Et hop là, boum. Et hop là. Je sais, mais c'est pour la blague. Bah, j'espère. Tu dis que les vidéos en couple, c'est ce qui marche. Ah oui, bah écoute, vas-y, lance-toi. Hein. Dégustation de Pringles, ou je sais pas. Le sport de matelas, j'avoue. Ils avaient trop hâte de fusionner charnellement. Ah oui, c'est du rentre-dedans. Oui, c'est tout ça. C'est... Ils sont très fusionnels. Bon, quand est-ce que t'accouches? De notre magnifique petite fille. Qui s'appellera sûrement Prune. Voilà. 2h du matin, samedi. Faudra pas oublier, ce dimanche, ce sera le premier dimanche où ils devront regarder un film tous ensemble. Enfin, là, ils seront deux. Parce que même si le bébé, il est né, il va avoir du mal à regarder la télé. Hein. Non, un garçon. Non, des filles! On a déjà eu deux garçons. J'ai eu... Là, c'est que ma deuxième fille, hein, sur les quatre héritiers, sur les quatre meneurs, on va dire, avec Pepper. Et je veux une fille, là. Allez. On a eu deux garçons, deux filles, maintenant. Ou Pruneau. Non, mais Pruneau, c'est mort. Non, non. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Bruno. Je suis non, mais alors, pour le Pruneau, mais en écrit que E-A-U, en fait. Mais avec un B pour faire comme le prénom. J'ai dit non, c'est mon beau-frère, Bruno. Donc, non. 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 Juste non. Bon, j'ai rien contre lui, mais c'est bizarre. C'est encore plus bizarre. Je ne pourrais pas. Non, c'est... Non. Je n'ai point possible. Bon, elle va avoir la dalle. Elle travaille à midi. C'est lui qui se lève. Oh là là, je suis fatiguée, j'ai fait du sport. Tu iras manger après, hein? Voilà, tu te sers dans le frigo. T'as tout compris, Adonis. C'est parfait.
Raphaël Farrar a été adopté par le foyer Roussel. Je m'en fous, mais c'est gentil de le préciser. Voilà. Cocotte, tu vas pouvoir aussi aller en pipi, parce que c'est le plus près. Les nuits passent super vite, ou c'est moi? Mais oui, je sais, t'as faim. Oh là là, quel relou. Troisième trimestre dans 3 heures. Oh là là, les enfants, on va vraiment avoir la naissance aujourd'hui. Hein. J'espère que vous êtes au taquet. Parce que j'irai jusqu'à la naissance. Combien il y en a, à votre avis? On a une grande maison. Hein. On peut en avoir jusque 6 d'un coup. Vous imaginez le délire un peu? 6 gosses d'un coup. Je m'auto-suicide. Mais elle, elle a pas froid. Hein. Et elle est en petite tenue. Hein. Pareil de la température glaciale. T'as vu, chérie? Il fait tellement froid que j'ai les tétons qui sont devenus glacés. Ça fait comme des sucettes. Je fais je dis vraiment de la merde, j'en peux plus. Deux. Ah, vous pensez qu'il y aurait des jumeaux? Bah, j'aimerais bien. Hein. Moi, j'aime bien avoir des jumeaux, hein, mais c'est rare dans mon jeu quand même. Je dis ça, et puis j'en ai eu dans Lord and Lady, j'en ai eu dans Decades, mais ouais, mais en fait, honnêtement, c'est vraiment des fois, c'est les seules fois quoi. Tellement que je m'y attends pas quoi. Je m'y attends vraiment pas. Pour moi, c'est un, et d'habitude, comme d'habitude, et puis basta quoi. Oh, ils s'aiment. Elle a oublié sa mère. C'est fantastique. Raconter une blague sur le bon vieux temps. On va pas regarder les nuages, non? T'as vu comment il fait froid dehors? Bon, la demande en mariage, elle se fera. Ils vont se marier beaucoup plus vite que les autres, je pense. Parce qu'ils sont mignons, tous les deux, ils sont jeunes. 30 enfants, ouais, je pense pas. Bah, 4, je pense pas non plus. Hein. J'ai eu qu'une seule fois des triplés. Depuis que je joue au Sims 4. Donc, 4, je suis même pas sûr que ça puisse exister. Ah, si on le met dans l'MCC, si, hein. Alors, en deux clics, je sais comment ce qu'elle a dans le bide. Hein. J'ai jamais eu de triplé. Ouais, bah, je te dis, moi, une fois. Et encore, le troisième enfant n'avait rien à voir avec les parents. Donc, je me suis dit, mais il sort d'où, celui-là? Le max, c'est 3, je crois. De base. Ouais, je pense aussi. C'est chaud, après. Hein. Déjà 3. Hein. Même 2, déjà, c'est compliqué. Surtout quand t'as déjà 2 enfants en bas âge, avant. Pourquoi tant de haine, les Sims? Tu commences dans une heure, je vais dire mocheté, mais elle est pas moche du tout. Va chanter sous la douche. Donc, est-ce que tu... Voilà, 26 minutes, c'est bien. Alors que ce sera pour midi. Elle accouchera à midi. À peu près. Regardez-moi ce tout petit bidou. Enfin, tout petit, ça va, il est quand même gros. Hein. Et puis, regardez ce look. Ouais, j'ai parié sur le gris et le blanc. Je voulais dire blanc, mais... voilà. 12 minutes... Et boum le ventre, hein, ça a été aussi quelque chose... Ouais, ouais. Voilà, boum le ventre. T'as eu ton ventre, hein? Ah oui, là, oui, ça y est, on le voit bien, là. Oh, c'est une boule, on dirait que c'est un troisième sein. Elle travaillera pas le dimanche, comme ça on pourra aller voir les sœurs. Mais punaise, c'est qui ça? Jan Chan. Mais arrêtez. Bah, voilà, ce sera ça la couleur des cheveux. Ce sera ça, c'est pas vraiment un... C'est pas un violet, c'est pas un rose, c'est un... S'il va faire... Oh punaise, on n'a pas les factures à payer? Non. Ah, elle a dit Freezy. Ah, il fait froid, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ils sont vraiment très beaux, hein, tous les deux. Ah, Zonaroy. When it first year, ou quoi? Attends, tu vas... toucher le bébé. Yibs. Soupte. See what? Girl. Voilà. J'ai fait un petit... Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Ils sont beaux comme des carottes. Est-ce que c'est beau les carottes? Too beau. Oh! Oh punaise. Toute cette poésie s'en est allée en une demi-seconde. Voilà, merci ma chère. Tu vas pas flirter avec les collègues, non, je te le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est parti se réchauffer.
Alors tu vas nettoyer ça, tu vas aller pisser. Et puis tu vas retourner bidouiller et refaire du sport. Voilà, tu vas avoir un sacré truc. On va s'occuper de toi aujourd'hui, mon petit Adonis. T'as beaucoup de choses à faire. Tu es notre femme de ménage maintenant. Notre homme d'intérieur. Le truc qui casse tout. Bah non, c'est pas rose. C'est le prune de... Le rose, il est beaucoup plus virulent. C'est cette couleur-là que sera la génération qui arrive. Le rose, il est beaucoup plus virulent. Enfin, faudrait qu'on aille dans le CAS, mais... Je vais jeter moi-même ça, tiens. Tac. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il se tape sur la tête. Signalement de blessure dans les vestiaires. Nuages remarque que la joueuse phare de l'équipe boite lorsque personne ne la regarde. Doit-elle signaler cette blessure à l'entraîneur? Je me souviens que je l'avais déjà eu ça. Donc j'ai déjà dû faire cette carrière. Est-ce qu'on le signale et est-ce qu'on ne le signale pas, les enfants? Elles sont où les tombes? Bah dans l'inventaire. Je ne pose pas sur le terrain, j'ai pas envie qu'ils me cassent tout toutes les nuits comme dans le Decades. Il n'y a que dans le Decades que je subis les fantômes. C'est fini, je veux plus en entendre parler des fantômes maintenant. Non, oui. On signale? Allez, vous êtes trois à avoir répondu. Hop. Nuage explique la situation à l'entraîneur. Celui-ci fait venir le médecin. L'athlète doit louper la compétition pour être examiné et l'équipe perd par forfait. Perte de performance petite. Pas grave. On va travailler dur. Ah non, on peut pas travailler dur. Discuter avec les collègues. Se détendre. Vas-y, cocotte. Faut avoir la promotion, là. Elle en est où? On est que au niveau 3, hein. C'est nul. Faut aller, là. Tu vas devenir vieille et moche bientôt. Non, c'est pas vrai. On a une semaine de boulot, hein. Elle a pas beaucoup augmenté. Ouais, je vais en avance rapide aujourd'hui. J'ai envie d'avancer. 3 pièces de robot récupérées, c'est bien. Et il s'électrocute pas comme Nati, c'est incroyable, je comprends pas pourquoi. Dans ma partie, Gustave en a eu 3. J'ai envie de les noyer, pourtant j'aime les bébés dans les Sims. Ah, mon petit Gus. C'est bon? Tu vas travailler dur, là? Dur comme fer. Pendant ce temps-là, Lulish... Fais le béjaï. Beau mec. Ah! Peut-être que Mathis c'est con. Ouais, il y a des chances. Peut-être parce qu'il est ado. Je sais pas si c'est un rapport. Parce qu'il a pas le trait maladroit. Hein. Il a pas des traits de merde. Hein, donc. Bah, écoute, si tu veux, repousse tes limites. Enfin, c'est même pas si tu veux, c'est si je veux. Voilà, tu fais ce que je te demande. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui la harcèle? Non, on est en train de... Non, mais elle bosse pas, Mini? Ou comment ça se passe? Oh, promotion. Normalement, c'est bon, on a la promotion. Je vais plus toucher. 17h. 17h, normalement, on va pas... Voilà. Devrait être bien, tout ça. Je revérifie toujours un petit peu, oui. Et voir, toujours en bon état, tranquille. Niveau 3 de fitness, c'est bien. Bon bah lui j'ai envie de le faire... Pff, ouais, ça me rappelle plus le code. On lui fait bosser ça, mais en vrai il va avoir besoin de quoi pour travailler? Bah pas grand chose en vrai. C'est juste histoire qu'il s'occupe, ouais, voilà, il est éreinté. Va prendre une douche, ça va te faire du bien. Tu vas préparer un petit plat pour ta petite femme. Tu vas servir le dîner. Allez, ravioli chinois aux légumes. J'ai hésité avec les haricots saucisses, mais vu que déjà qu'elle pète, vu qu'elle est crasseuse. Et puis il a cassé la douche. Mais ils vont tous me les casser. Hein. La 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 la. Elle va avoir toujours la promotion. On croise les doigts pour qu'elle monte cela. Ouais! Regardez, il prépare un petit truc pour sa petite femme chérie. Même s'ils sont pas encore mariés.
Allez. Oui. Oui. Oh, la petite cheerleaders ultra musclée et enceinte. Avec les cheveux gris, c'est un peu un mélange un peu bizarre quand même. Bravo, ma petite. Est-ce que tu es contente? Ouais, ouais. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi. Oh, mais comment elle est musclée. Alors, elle a été promue capitaine de la troupe de danse. Elle gagnera désormais 11 simflouz de plus par heure, soit 39 simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu en bonus 192 simflouz et les nouveaux vêtements dont on se fout royal, puisqu'on l'habillera jamais comme ça de nous-mêmes. Et bien voilà, niveau 4 de compétences charisme et fitness. Ah, il faudrait que je bosse le charisme pour cette jeune demoiselle qui cherche un mec mortel. Bon, elle l'a déjà, mais... Ça va, mon bouboune? Mon petit chapouette. Tu vas pouvoir aller aux toilettes. Et ton petit chéri, il t'a préparé à manger. Oh, regardez-moi ça. Ah, puis ils vont dîner dans la salle à manger, attention. Puis tu vas appeler à table. Ah, il est malade. Allez, ça commence. Tibbs. Oh, ils vont dîner en amoureux. C'est trop choupoupou. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc entre quand même. Température glaciale. Oh, mais j'ai froid, moi. Vas-y, raconte des ragots. Sois enseigné sur la carrière. En fait, tu c'est quoi que tu pars tous les jours, là? Tu fais peur faire quoi? Ça va, mon cœur? Non, il m'en veut. Pas de câlin pour maman. Une promotion et un oubou, c'est ça? Tu as changé la cuisine, j'aime bien. C'est heureux, Elisa! Oui, j'ai fait la visite en début, j'avais oublié que... Il n'y a pas que la cuisine que j'ai changée. J'ai aussi changé un petit peu la salle à manger, le salon. Et puis, il y a aussi les chambres qui ont été un peu revues. Voilà. Il y a beaucoup de chances, beaucoup de choses qui va changer. Flatté. Toi aussi, tu peux demander quelle carrière il fait. En fait, t'as trouvé du boulot, chérie? Bon, c'était bon, les petits raviolis. Hein. C'est mignon qu'il a fait ça pour sa femme. Hein. C'est choupette. Tu vas prendre un jour de congé. Voilà. Comme ça, tu ne travailleras pas le dimanche. Et... Normalement, elle accouchera midi. Hein, donc, on ira après l'accouchement. On ira voir ses sœurs. Ça, c'est fait. Mais arrête d'être pas bien. T'as qu'à t'habiller aussi, mec. Faire crac-crac. Chez le bébé. Oui. Racontez une blague sur les mimes. Parlez-vous, con de mimes. Non, je repars, j'ai oublié mon téléphone en bas. C'est bizarre comme dîner. On dirait qu'ils ont pas envie de parler. Il fait la vaisselle. C'est là qu'il est soigné en même temps. Bah, tu peux contacter le service de réparation, c'est pas... si ça te va. Faire connaissance. Vous allez faire des bisous? Vous allez faire des bisous? Tu vas te changer parce que ta tenue, elle est dégueulasse, en fait. Hein? Je sais pas, voilà, ça, c'est très bien. Des bisous, toujours des bisous. Oh là là! Chérie, le petit ravioli au fond de ta gorge, il avait bon goût. Voilà! Moi, je veux que vous touchiez le bébé au bout d'un moment. Tu vas y arriver? Oh, comment ça se passe? Ah, oh, ça y est! Enfin! Et 10 ans que j'attends. Hein. Tout à l'heure, elle s'est changée pour devenir le lama, là. Je sais pas quoi. Excusez-moi. On est un peu près, donc ça va être un peu moche. Est-ce que dans l'autre sens, je verrai pas son visage à elle, donc ça va être... Ouais, non, c'est très très moche, en fait. Hein, on est d'accord? Peut-être comme ça? Oui. Petit screen, quoi, histoire de... Ah, Usnage. Oh là là, les relous. Il y a quelqu'un qui est dehors, ou... Ah! Mini est là! Et elle a le ventre plat! C'est-à-dire qu'elle a accouché dans son coin, hein, la coquine de Mini. T'as les boobs. On l'invite à entrer, mais elle était déjà rentrée en fait.
J'adore. Tu as plein de problèmes. Mais change-toi. Et il est sérieux. Vas-y, ici on fait pas la lessive, hein. T'as le droit de te changer, hein, de mettre les freins que tu veux. Hein. Demandez un massage suédois. Non mais. Tu crois qu'elle va te ploter comme ça, tranquille hein. Viens là, il y a ta sœur, sérieux, t'es. Déjà, tu as proposé le bout. Ouais, parce que t'as, c'est pas de l'aérophagie, mais je crois que. Donnez un coup de hanche. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est? Puis on va aller voir ce qu'elle a eu Minnie aussi dans la pochette surprise, parce que bon, regardez, ça c'est mignon. Les sœurs. Les sœurs grises. Oh. Salut ma sœur, comment tu vas ma sœur? Wesh. Brrr. Mais arrête avec ton massage suédois, mais t'es pas bien. Chaque fois, il y a la demande. Ouais, elle est crevée. Hein. Raconter une histoire dramatique. Sinon, vous pouvez aussi discuter dans le canapé. Hein, si ça mange pas de pain. Vous serez bien, il y a la cheminée et tout. Hein. Voilà. Il se fait 23h. Bah, après, ils vont aller se coucher. Cherchais une idée de nom pour un oubou garçon. Je tombais sur le zinzolin. C'est un vieux mot pour désigner les couleurs violettes. Ah, il me semble que je l'ai su, ça, à une époque. J'avoue, Sean, bravo. Et moi, j'ai vu que Eric, c'est prune en turc. Ah ouais, coucou, Sweetsen, comment tu vas? T'arrives pile au bon moment, hein. Enfin, au bon moment. Et un petit noobo qui va pointer le bout de son nez dans quelques heures. Cocotte, tu vas aller aux toilettes? D'ailleurs, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes, hein, je vous cache pas. Et vous allez me faire un petit crac-crac, hein. Voilà, comme ça, parce que pour faire venir le petit noubou. Et on va aller voir ce que Minnie a eu. Ah, histoire de se mettre au courant si... Et elle en a eu qu'un seul, et c'est un garçon, Yann. Sachant que la père avait eu une fille, donc voilà, on a un de chaque. Maintenant, faut attendre de voir ce qu'aura notre petit nuage. Pour un garçon aubergine. Surtout que c'est typiquement le genre d'emoji que je mets pour désigner le zizi. Donc, pourquoi pas. Allez, il est minuit. Nous, on va les niquer un coup, excusez-nous. Voilà. Nous, on se prend pas la tête. On fait la grosse bête. Ouh, sexy. Allez. Encore des crapulades. Ouais, bah, je sais pas combien on en est depuis le début d'épisode. Chaque fois, il y a les petites étincelles, ça me tue. On avait parlé de Zinzolin quand j'avais demandé un prénom pour garçon. Ah, peut-être, ouais. Raisin pour un garçon. Salut, Bigimi, comment tu vas? C'est un Bigimi. T'as manqué quoi? Pas mal de choses. Pas mal de choses, parce que là, on est... on a la... Mais ça n'arrête plus. Mais c'est l'alchimie complète entre les deux, quand même. On va arriver au dimanche. Et alors, bah. Et bah, en fait, si tu veux, là, dans quelques heures, regarde. Il y a un petit bébé qui arrive. Le premier bébé de la génération prune. Oh, Marie qui bug. Marie, faut appuyer sur le bouton reset. Elle est partie? Minnie est partie. Très bien. Et puis voilà! Maintenant, on va attendre patiemment que le petit noubou pointe son nez. Et puis on sera pas mal, quoi. Puis on va aller voir les sœurs qui habitent dans le quartier. On va leur dire des bonjours, et puis... Voilà. Oui, elle est relookée. Oui, bah je l'ai montré en début d'épisode. Ah bah non, elle était encore là, mais elle était partie où? Ah, elle est peut-être dans la salle de sport. Nuage a été relooké, comme j'avais... J'en avais parlé, putain, je déteste cet endroit. Et les chambres aussi ont été revues, voilà, il y a déjà deux chambres de prêtres. Nathalie est partie. On a joué au Nathalie Show. Vite fait, le salon a été revu, la salle à manger a été aussi revue, et la cuisine également, voilà, il y a eu du changement. Pour cette nouvelle génération, du changement, un petit peu de sang neuf. Et puis bébé arrive, quoi. Ah, c'est la côte pépouvrée. On aurait leur demander de reset de temps en temps, peut-être. Je sais pas si ça va avoir un impact, mais...
Là, grandit dans 17 jours et lui dans 21. Voilà, il va devenir bientôt plus vieille que lui. Qu'elle. Il va devenir plus vieux qu'elle. Je sais plus parler français. Ta jauge a été rouge comme ton slip, mon chou. Tiens, prends une douche après. Bon, alors lui, il est en week-end, on est dimanche. Elle travaille pas. Puis elle va bientôt mettre bas, donc bon. Ah, vas-y, hein. Vas-y. Oh, ils me donnent envie de pisser, les deux, là, je te jure. Va manger. Oh, ma petite maman, tu es mourue. Et je t'ai pété dessus. Le pire, c'est que c'est vrai. Elle a quand même osé péter sur le cadavre de sa mère, hein, je dis ça. Quel beau gosse. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, à midi, hein. À midi, ça arrive. Hein. C'est la livraison du colis est prévue pour midi, donc Amazon Prime fonctionne bien. Merci. Enfin, merci pour elle, quoi. Tant que j'aurai pas mon appart, je vois. Ouais, j'avoue. Bah ouais, tu peux pas déménager. Bientôt, Marie. Complimenté, ça sert à rien. Oh ma belle, tu es belle comme le jour qui se pointe entre les rayons de nuages. Oui, oui. Bah, c'est un nuage. Oh, nuage, est-ce que tu es le nuage blanc de mon cœur? Celui qui le pleure sur mon cœur quand je suis de bonne humeur. Putain, j'avais dit que j'étais fatiguée en début, hein. Je suis désolée. Ah. Bon, il est 9h. Tu vas mettre bas ou quoi? J'ai envie de pisser. Nathalie est morte, oui, à 21h. On a joué au bingo Nathalie ou Nathalie. Nathalie chaud, quoi. Tout le monde prenait les paris pour savoir quand est-ce qu'elle allait claquer. Et elle a réussi à claquer comme il faut. Mais tu peux aller chanter sous la douche? Ça, tu t'habilles et tu chantes en même temps. Et tu te laves aussi. C'est 3 en 1, en fait. C'est bien. Voilà. Habille-toi! Alors, je sais que t'es follement amoureuse de ton amoureux. Ah, regardez la petite tenue que je lui ai mise. Oui, je sais, je l'ai volée à sa sœur. Mais on s'en fout. Parce que Minnie, c'était vraiment la plus belle. Mais comme c'est pas notre héritière, ben je l'ai remis à notre héritière. Parce que cette tenue, elle est trop cool. Il est 11h. Tu vas monter, hein? Tu vas venir t'asseoir? Lui aussi, il va venir s'asseoir. La 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 la. Et voilà. C'est la panique! C'est la panique! Attendez, parce que j'ai appuyé sur play au lieu de faire. Voilà, parce que je voulais prendre la tronche d'Adonis quand il flippe. J'ai peur! Je vais devenir papa! Et elle va devenir maman. Est-ce qu'on est prêt? Pas! Putain, il y a la queue là. Pourquoi il y a la queue en plein dans la tête? Hop, c'est parti! What? Nobu! Attendez, je vais me mettre dans l'autre sens finalement. C'est le premier! Oh, c'est une fille! C'est même deux filles! C'est même trois filles! Il s'en va. Il dit, je veux pas voir les viscères, moi. Ça me dégoûte. Ça y est. Attention, c'est une fille! Allez, c'est parti pour vos prénoms dans le chat, je vous écoute. Je pense que vous allez déjà me proposer Améthyste et Prune. Donc un petit troisième pour l'instant, voilà. It's a girl, baby! It's a girl! Ah, Violine, c'est joli! J'aime bien. Lila, oh oui!
Vous avez voté, tout le monde? Vous êtes sûr, hein? Résultat, Prune! Eh bien, c'est pas du tout... Voilà. Moi, oh, quand même, ça s'est défendu au niveau d'améthyste et violine. C'est donc Prune qui a gagné. Donc, nous allons accueillir Prune dans notre jeu. J'ai peur qu'il y en ait deux. Donc, ce sera Prune. C'est ça, hein? J'aime bien, c'était... Bah, écoute, c'était la première musique qui était là, voilà. Il y a eu une remontée, je dirais pas de qui. Ah ouais? C'était tellement inattendu, j'avoue. Pour la génération Prune, elle s'appelle Prune! Mince, attendez. Et il y en a qu'une! Prune, il y en a qu'une! J'espère qu'elle a les yeux violets. Violets. Oh, ce serait bien. Ce serait cool qu'elle ait les yeux violets. Non, alors. À l'été. Pourquoi? Pourquoi il faut toujours que vous en allez dès que vous vous mettez bas? C'est pas possible. Et voilà, Prune est arrivée dans notre vie. Prune va être contente. C'est vrai qu'elle est même pas là. Elle est partie. Elle était là tout à l'heure en plus. Prunette, voilà. Eh ben écoute, c'est le jeu qui décidera, Marie, hein, c'est pas moi. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'elle atteigne le niveau 10 de l'éducation. Donc tu vas pas arrêter de l'emmerder, cette gosse, hein, moi je te le dis. Hein. vas-y, emmerde-la. Vas-y, emmerde-la, la gosse, vas-y. Dodeliner, serrer dans les bras, parler, bercer. Le gamin qui en peut plus t'aimer. Lâche-moi, putain! Ah, c'est bon, elle l'a crevé, elle est morte. Bon, et ben nous, on va bouger, les enfants. On va aller chez Perle pour commencer, puisque c'est notre sœur aînée, hein, enfin, un nuage. Dans l'ordre des sorties, c'était à la Prems. Bah écoute, ça va, là il a faim, donc c'est une bonne nouvelle. En même temps, il est sous cortisone, donc il ne ressent pas, il a pas de mal nulle part, donc il a faim. C'est la troisième fois qu'il mange aujourd'hui. Tu vas avec Adonis, évidemment. Mais bon, c'est pas la grande joie quand même. Non, il y a un coup de fil qui a duré longtemps, d'accord. Elle va se remettre à hurler, tu vas voir. Comme dit Richard dans Friends, c'est pour ça que les enfants apprennent à parler pour dire aux adultes de leur foutre la paix. J'avoue! J'ai vrai, belle ref, Bader, bravo! On garde Mini pour plus tard, mieux pour la fin. Ah, si on veut. Oh, regardez-moi la petite choupette! Et la petite choupette! Oh putain, elle a les yeux marrons. Oh putain, elle a les yeux marrons. J'en peux plus de ces yeux marrons, je vous le dis, moi. Là, la génération Prune n'aura pas les yeux marrons. Et même si ils ont les yeux marrons, je le changerai. Rien à foutre. Non! Elle est moche. Voilà, c'est bon, on se barre. Ah putain, les yeux marrons de sa mère, là. C'est vraiment les yeux marrons de sa mère, pour le coup. Hein, parce que... Puisque Donkan, il a les yeux verts. Hein, il est beau gosse, lui, il a des beaux yeux. Ah, oh, je suis dégoûtée. Petite Marina. Rainbow. Plus, elle a le nom de famille... C'est quoi ça? Qui es-tu? Miguel de la Cruz! En tout cas, il a les yeux bleus, lui. La journée. T'as été lui parler à la gosse là? Mais on s'en fout du mec là! Qu'est-ce que vous allez lui parler à Miguel? Va te présenter à la petite! Mais c'est qui celui-là? Mais c'est quoi ces gens? Mais ils sont chelous, hein. Ils sont trop chelous, moi je comprends pas. Elle est où, Perle? Eh, c'est vrai qu'il y a que Milan Caillou. Ah, le hurleur dans les couloirs est revenu. Tu... Voilà, parle à ta nièce. Ouais, ils sont déjà en train de chialer. Oh, les gosses. Heureusement que je vais pas m'en occuper de celle-là. Vas-y, prends dans les bras. Tu vas prendre... Tu vas t'entraîner. Et toute bleue. Alors, Perle. Nuage s'entraîne. Ce n'est pas son enfant. Mais elle s'entraîne. Elle soupèse le bétail en disant, bon, alors, est-ce qu'elle est bonne pour Noël ou pas? S'excuser? Ah ouais? What the fuck? Ah, elle est là! Elle est là! La perlouse!
Salut Perlouse. Comment vas-tu? Ah, tu la connais pas? Bah écoute, c'est l'occasion. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ah, oh, punaise, j'en ai marre de ce... des rambardes à la chmour machmoule. Pas de pitié pour les moches, c'est beau les yeux marrons. Non, moi j'aime pas les yeux marrons. Dans les Sims, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime bien les tous les autres... noirs et... C'est pas ce que je préfère. Je préfère les yeux bleus, les yeux verts, les yeux gris, les yeux violets. Non, les yeux rouges, c'est pas terrible non plus. Bonne nouvelle, qui remange et qui vient croire. Oui, bah ouais, écoute, s'il a eu du courage, hein, mais il m'en veut un petit peu, tu vois. Là, j'ai du mal à je pense qu'il m'en veut. Ouais, que je l'ai emmené ce matin et que je l'ai laissé tout seul. Mais en même temps, je pouvais pas rester. Hein. Veto, il m'a dit non, vous restez pas. Faut qu'elle s'habille, Nienor, ça a du gâchis, qu'elle meurt de froid. C'est elle qui gère, hein. C'est pas moi. Hein. Salut Lisa, comment tu vas? Bon, après, c'est pas ta gosse, hein, donc vas-y, hein. C'est juste l'histoire de la voir et de... Vas-y, tu vas jouer un peu avec. Bah, de toute façon, comme ça, si elle était enceinte, elle aurait pas pu jouer. Hein. Allez! Elle est dynamique! Ah, c'est pour ça qu'elle est insupportable. Oh là! Une petite torsion du bras arrière. Mmh. Ouais! Ah, tu fais l'avion, nuage? T'as l'air un peu bête comme ça, toute seule, hein? Mais regardez comme elle est belle quand même, notre héritière. Bon, elle a les yeux marrons, hein, mais elle est belle. Non, je ne digérerai pas cette génération prune. On dit adieu aux yeux marrons. Sinon, je les noie. C'est comme ça. Déjà, il devrait déjà faire le deuxième gosse, là. Tu fais quoi, Tyrion? Allez, on s'en va. Oui, c'était du rapide. Mais il y en a un enfant qui nous attend à la maison. Nous allons voir maintenant. Bon, Mini, elle est pas là. Maintenant, elle est devenue mère. Elle peut être plus perle. Je sais pas. En tout cas, Nuage, elle nous a largué une belle caisse tout à l'heure. Hein. Elle a pété sur le cadavre de sa mère. Bon. On remerciera toujours pour les yeux marrons apportés par ma... Plus jamais des Sims aux yeux marrons. On s'occupe. Ouais, bah il faut, hein. Ah mais en fait, dans la vraie vie, j'aime pas, parce que moi j'ai les yeux marrons et j'aime pas ça non plus, je trouve ça pas joli. Mais ça me choque, je n'aime pas juste sur moi en fait, chez les autres gens, moi ça me dérange pas, et je ne les juge pas là-dessus. Mais c'est vrai que dans les Sims, j'aime pas ça non plus. Donc je préfère, voilà. Et où je suis bizarre, mais... Ah, oh, c'est quoi cette décoration dégueulasse? J'avais oublié que c'était à ce point moche. Eh, ben, ce serait pas mal que je rénove ça, dis donc. On va rénover au max avec Rénove Max. Qu'est-ce que j'ai avec cette vidéo de... Il est là, le petit bébou! Le petit bébou changé d'âge? Non, on va parler. On va faire une grimace. On va bercer. Voilà. Le petit neveu. Tu vas venir là aussi? Bon, y a personne, hein. C'est quand même très moche. On peut dire, mais c'est moche, hein. Donc ils ont emménagé avec... Ah bah, il est devenu vieux. Ah bah, parfait, il va crever. C'est-à-dire qu'ils auront une grande baraque pour pas grand-chose. Je leur ai pas fait payer, le... Qu'est-ce que t'as fait? T'es sérieux? T'as dit une connerie au bébé? Ouais, il s'entend pas. Elle est relou avec les gamins, Nuage. Son neveu, il dit, mais vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Coucou, les petits noobous. Yann a très faim. Mais, oh, mais c'est pas notre gosse. Nourrir au biberon. Non, mais l'ambiance, là, les Sims qui nous dit ça, mais c'est aux parents qu'il faut dire ça, hein. C'est pas à nous, hein. C'est pas notre gosse, nous, hein. On s'en fout, hein. Vas-y, nourris-le. Voilà. Un petit gars. M'habiller. Et faire une grimace. C'est bon? Allez, tu vas aller pisser après? Toi, tu vas venir aussi faire connaissance avec le petit neveu? Mais parle pas avec le vieux, il fait pas partie de la famille, on s'en fout de lui. Donc tu vas pouvoir babiller. Et bercé. Il a même pas touché sa fille qui va toucher ce gamin. Voilà. Parlez. Voilà, on a fait connaissance. Allez.
Nuage a reçu sa prime. Parfait. Tu vas... Oh non, tu... Ah non, c'est Mini. Je suis confondu. Salut Mini, comment tu vas, Mrs. Boobs? Mrs. Big Boobs. Quoique, au niveau boobs, elles sont bien loties quand même, hein, les deux. Mini cul, maxi boobs. Hein. Ah, j'ai mis bas tout à l'heure, j'ai encore les... j'ai encore le placenta qui pend. Moi, dégueulasse. Mais non. Ah, la petite Mini, elle a du succès, hein, mais bon. Toi, tu te tais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il fallait bien que qu'on rompe. Ah bah il est là lui. Il est revenu. Allez, tu vas aller saluer cet homme qui est devenu ton beau-frère aussi. Soul Soul. Drobus Varric. Ah, Chul, Chul. T'as quel âge toi? Tu vas vieillir bientôt. Ouais, 13 sur 24. Et elle, elle est à combien? 2 sur 24. Elle va être veuve assez rapidement, la petite Mini. Hein. Voilà, une petite réunion familiale comme ça. Voilà. Pourquoi il y a un vieux chez Mini? Parce qu'en fait, j'ai voulu les faire emménager. J'avais la flemme de leur trouver une autre maison. Je me suis dit, dans le quartier. Et le vieux, il habitait tout seul et tout. Donc, je les ai fusionné le loyer comme ça. Ils ont pas... Ils ont une maison déjà bien remplie, en fait, au lieu d'avoir une coquille vide. Voilà. Du coup, bah... Et quand je les ai fait emménager, il était pas vieux, hein, donc il vient d'être vieux. C'est pas plus mal, comme ça, ils vont hériter d'une belle maison. Voilà, voilà. Putain, mais elle a des boobs, Mini, c'est juste... Incroyable, regardez-moi cette forme. Pfiou, la vache. Bon, il est 22h, on va peut-être rentrer, hein. Ouais, ça passe vite, hein. Allez. Allez, c'est tant pis, on rentre. On rentre à la zombie, et on va aller voir notre petite fille. Puis on terminera là. Mon père habite là, Mini habite là, et nous on habite là. On reste vraiment dans le même quartier. C'est pas plus mal. Elle va avoir le dos en compote, la pauvre Mini. Faut qu'elle se... Bah, avec tout le sport qu'elle a déjà fait, je pense qu'elle a un dos très musclé. Beaucoup plus musclé que le mien. Non, tu n'es bizarre, t'inquiète pas, sinon... C'est ce que je dis. Non, mais après, chacun a ses préférences. Prune est rentrée de la garderie. Ouais. Attendez, on est... Ouais. Ah, c'est là. J'avais plus dans où j'étais, moi. Elle dort. Eh ben, c'est parfait, écoutez. Allez. On va mettre en route le deuxième. C'est fait. Et hop là, boum, c'est le roi des pains d'épices. Ah non, elle pleure, eh sérieux. Prune, tu vas pas me casser les prunes. Ah, ah, ah. Mais elle nous les casse déjà, hein. Elle nous les réduit en purée, hein. En purée de prune, prune. Tu te relèves, Jean-Claude? Ouais, moi j'insiste. Et on saura la semaine prochaine si ça a pris. Moi, mais non, je ne suis absolument pas sadique. C'est pas vrai. De toute façon, il suffira de voir, hein, si ça a pris ici, mais... Voilà, voilà. Ouh, les petites étincelles. C'est ultra... Il y a beaucoup de chemistry entre eux, hein, c'est un truc de fou. Hein. Dès qu'ils font crac-crac, c'est l'apothéose, hein, ça fait des étincelles. J'ai pas tout le temps ça, c'est marrant. Mais eux... Oups. On n'a rien vu, on va switcher sur lui. Ta-la-la-la. Voilà, ils se sont endormis. Moi, je vais enregistrer ici... Et c'est là-dessus qu'on se quittera pour ce petit épisode du Notsuberi. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Et la venue du deuxième bébé, parce que je pense qu'elle est enceinte. Allez, moi je vous fais des bisous. Merci YouTube d'avoir été là pour cette rediff. Merci Twitch d'avoir été là pour le live. Et à très bientôt. Ciao.